Yo tout le monde, c'est YouTubeMagic332. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un tour de magie et ensuite je vais vous l'expliquer. Et c'est parti. Alors comme au bowler, j'ai donc 3 tasses et 3 boules. Donc les 2 premières tasses sont donc vides, hein, et totalement normales aussi bien évidemment. Et donc la troisième aussi. De même pour les boules, qui sont aussi totalement normales et totalement rondes, enfin voilà. Un peu plus normal. Donc refermer les tasses. Voilà. Et je vais mettre une boule sur la tasse du milieu. Je vais donc remettre les deux tasses au-dessus et regarder ce qui va se passer. La boule est passée en dessous. Je vais remettre une deuxième boule sur au-dessus de la tasse. Et elle est encore passée en dessous. Et je vais remettre la troisième boule sur la tasse du milieu. Regardez. Et elle est encore une fois passée en dessous. Explication de ce tour de magie. Alors en réalité, il n'y a pas 3 boules, comme vous le voyez, mais il y en a bien 4. Voilà. Ce qu'il faut faire en fait, bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est que quand on commence le tour, il y ait une boule qui soit en dessous de la tasse du milieu. Voilà. Après, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Pour qu'elle arrive là. Mais voilà, il faut qu'il y en ait une au début de ce tour. Donc ensuite, on va donc mettre une boule sur au-dessus de la tasse du milieu. Hein, voilà. On met les autres boules par-dessus. Et donc, hein, ça fait croire qu'elle est passée en dessous. Ensuite, la boule qui était sur le dessus de la tasse. Bah, si on retourne, bah, elle est à l'intérieur de la deuxième tasse. Ce qui fait que si on remet les tasses, et ben il y en a maintenant 2 en dessous de la tasse du milieu. Et oui, donc si on en remet une, on a encore l'impression qu'elle est passée en dessous. Et pareil pour la troisième boule, voilà. On a l'impression, encore une fois, qu'elle est passée en dessous. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.